Alors, à quelle heure? Oh là là, j'ai tellement mal. Oh. Bonjour tout le monde, bienvenue. On va travailler. C'est malade qu'on va travailler, mes gens. Ça ne va pas très fort, très mal, ça va couper. Bonjour, la température est de 16 degrés. Hein. Si je ne me trompe pas. Bon matin, bon matin. On va bosser. Pas pour autant. On va bosser un peu pour autant. Voilà. Et on cause. On va te dire des choses. Hein. Bon, je suis un peu en avance aujourd'hui parce que hier. Le catch-up est lancé sur un certain jeune homme là, un primo arrivant. Mais Fleur, depuis quand tu lances le catch-up sur les primo arrivants? Bah, les primo arrivants, on les aiguille. Hein. On ne lance pas le catch-up sur les primo arrivants, voyons, ma grande Fleur. Comment tu as pu faire une chose pareille? Comment tu lances le catch-up sur un gamin, ma chérie? Eh, non. On ne lance pas le catch-up sur un gamin. Mais bon, ça c'est Flore, c'est tout Flore ça. Après, Flore, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Bon, et il n'y a pas que sur. Apparemment, il y a aussi sur Amec Amec que le catch-up a été lancé. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Non, la paix là, c'était quelle paix alors finalement? Je ne comprends pas. Mais. On a fait la paix, tout le monde devrait être en paix. Je suis tombé sur un direct d'Élise Battant tout à l'heure. Il était question de comparer Lolo Foggia et Nicole Kecha. Et il y a une saumone, la Rachel. J'ai reconnu sa voix parce que son témoignage m'a donné des. Le témoignage de Rachel m'a vite. Prouver que c'était elle parce que je l'avais déjà entendu tenir les mêmes propos sur ma page à moi. Voilà. Bonjour Mireille et Véronique. Et vous savez qu'on ne peut pas comparer. D'ailleurs, il y a Dokaka, ma femme là, ma le Fombo, est montée, dit qu'elle ne peut pas parler avec Nicole Kecha, qu'elle a le mépris, tellement elle a du mépris, elle ne peut pas causer avec elle. Alors que quand elle était en manque de visibilité, elle était chez Nicole Kecha, elle scandait le nom de Nicole Kecha. Voilà, maintenant qu'elle est déjà fabriquée, elle peut faire la grosse tête, quoi. Maman, hier ici, c'était. Hier, il fallait montrer patte blanche à partir d'ici, maman. Hey. Il fallait montrer patte blanche. Ici, hier. Mais bon, hier j'ai passé pratiquement 20 minutes. Voilà, et Dorcas a été donc là pour essayer de dire. Ça veut dire que Dorcas, elle n'hésite pas à mentir. Elle dit que Nicole est en Europe depuis 16 ans. Menteuse. Nicole, c'est une primo arrivante. Et elle s'est battue. Donc, si on doit comparer en termes de réussite, hein, puisqu'on compare tout ça en fonction du temps. Autrement dit, tout chemin mène à Rome. Mais pour d'autres personnes, ça prend 20 ans. Pour d'autres, 30 ans. Mais entre-temps, la personne vieillit. Voilà. Si Nicole Kecha est partie du Cameroun en 2016, c'est ce qu'on sait. Elle est partie du Cameroun en 2016, je ne sais pas moi, un truc comme ça. Voilà. Elle est partie par le Boza. Elle est arrivée à destination. Elle a fondé sa famille. 2016, 2020, 4 ans.
2024, 8 ans. En 8 ans, ce que Nicole a fait, c'est un record. Personne n'a atteint, personne n'a réussi ça. Moi, par exemple, mon beau-là a duré 10 ans. Quand il dit 10 ans, ça veut dire jusqu'à avoir les papiers. Comprenez? Ça veut dire que c'est après 10 ans que moi j'ai commencé à faire. Voilà, donc Nicole, en 8 ans, elle a papier, enfant. Voilà, donc en termes de réussite, on va dire qu'elle a réussi sa vie. Oui, il n'y a pas de... Et c'est avec la même jauge qu'on peut jauger Oshiga aussi. Puisque quand je compare aussi Oshiga, quand on dit qu'Oshiga a raté sa vie, quand on regarde ce qu'elle a effectué, on regarde, voilà les éléments qu'on va aller regarder. Bon, les éléments obligatoires, enfin les éléments qu'on doit accomplir, ou encore les choses qu'on doit accomplir dans sa vie. Comme la nature exige, parce que faire des enfants, construire une maison, c'est ce que la majorité fait, d'accord? Mais beaucoup n'arrivent pas. Beaucoup, dès qu'ils arrivent en Europe, ils perdent leur repère. Beaucoup de femmes n'ont pas d'enfants en Europe aussi parce qu'elles ne peuvent pas, pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais parce que c'est trop contraignant. Ah oui, j'en connais beaucoup autour de moi. Hein? Qui veut se réveiller le matin, courir par-ci par-là, aller à l'école maternelle? Ben non, personne. Beaucoup ne veulent plus, n'en veulent pas. Donc, c'est pour dire que voilà, choisir faire un enfant en Europe, c'est quelque chose de... Allez, donc il faut féliciter ces femmes-là. D'ailleurs, c'est pourquoi l'État les paye. Quand on paye les parturiantes. Quand une femme donne naissance, la parturiante reçoit l'argent. Voilà. C'est comme pour la féliciter. Voyez un peu. Donc, en ce terme-là, Nicole Kecha, on ne peut pas comparer Nicole Kecha et Lolo Fodia. Ne comparons pas ce qu'on est comparable et le comparable. En termes de, même en âge, Nicole Kecha, c'est une fille, une jeune fille. Nicole Kecha peut-être née en 86, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, c'est une petite fille. Voilà, donc on ne peut pas comparer Nicole Kecha à Lolo Fodia, par exemple. Voilà, donc le débat était un peu bizarre, en fait. Mais sauf que Rachel... Bon, après, ça a viré dans tous les sens. Après, c'est parti sur Lolo Fodia. Lolo Fodia et Compressor. Une est montée, dit que Compressor dépasse Lolo Fodia parce que Lolo Fodia, Compressor a acheté une maison. Non, Compressor a deux terrains. Sauf qu'on entend que c'est un terrain hérité de ses parents. L'autre dit que non, de son père, pardon. L'autre dit que non, voilà. À son âge, on parlait d'immeubles, pas de terrain nu. Maman, ça allait dans tous les sens. Mais en fait, c'est Rachel qui était en train de dire qu'à leur âge, on ne parle pas de terrain, mais de terrain nu, mais de terrain bâti. Mais voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça. Bon, ça m'a beaucoup intrigué puisque je me suis retrouvé, j'ai suivi le direct de cette vidéo depuis mon réveil. Bon, sans vouloir, j'étais là parce que Dolo Miendo a intervenu. Bon, et quand Nolé Miendo a intervenu, donc du coup, je suis resté là parce que Nolé Miendo était passé par là et que je la voyais. Donc du coup, j'ai dû entendre tout ce que je vous ai dit là. Mais le problème n'était pas ça ce matin. Ce matin, on va parler plutôt de Ahmed Kamer. Ahmed Kamer est merveilleux. Bonjour, Carla Tati Johnson. Comment vas-tu, Carla? Bien, bien, bien. J'espère, Carla. Moi aussi, Carla. Bon, quoique, un peu mal au dos, mais c'est large. Peut-être. Donc, c'était en tenue semi-traditionnelle, hein, parce que c'était en costume semi-traditionnel que Dikamé est sorti hier. Semi-traditionnel parce qu'avec l'accessoire qui était traditionnel. Mais le vêtement en soi était un vêtement conventionnel. Coiffé d'un chapeau ethnique, Ahmed Kamer a lancé les hostilités à l'encontre de Flore. Quiconque s'attaquait encore à ma Oshiga, quiconque, ah non, il n'a pas dit à Oshiga, quiconque s'attaquait encore à la musique d'Oshiga, une abeille, quiconque insultait la musique d'Oshiga ou encore s'attaquait à la musique d'Oshiga, je répondrai en tapant sur la tête de Flore de Lis. D'ailleurs, il a déjà préparé le gourdin, hein. Voilà, donc, et ça va plus loin. Il dit aussi qu'il va sauter des pages et que juste comme ça, pour le fun, il va faire sauter la page
de Monsieur Jean-Louis Messant. Juste comme ça pour nous effrayer, quoi. Comprenez un peu le truc. Et du coup, je me demande bien. Bon, de toute façon, on dit que sur TikTok, Flore a lancé le catcham sur Amek Amer. Et le primo arrivant, le bonhomme un peu efféminé, voilà. Connaissent. non, c'est pas comme ça qu'on dit. Voilà, donc du coup, on va aller un peu écouter un petit bout hein, de ces petits. À quelle heure je t'offre le canal. Je t'offre cette visibilité à tous les créateurs de contenu. On a une web TV, on pourra. Et en fonction de comment nous allons émettre, nous allons voir comment on peut évoluer, tu vois. Mais pour l'instant, on fait avec les moyens qu'on a. On n'est plus dans le. Tu parles, tu manges. Pour parler, il faut manger. Et je parle devant mes œuvres. Je ne tape jamais poteau. Jamais. Donc quand Lolo nous dérange tous les jours, on cotisait pour ma web TV. Ma chérie, tu as déjà eu plus de 50 000 euros sur cette web télévision. Montre-nous seulement une caméra. Même le jouet. Eh, c'est vrai qu'elle loue encore, non? Lolo, même le jouet, montre-nous. On partage. Il faut qu'on soit minimum 2000. On partage au maximum. Il faut qu'on soit minimum 2000. Rien, hein. Là, ça tremble beaucoup. Ça ne monte pas. On est bloqué. Depuis 30 minutes, on est bloqué à 800 personnes. Ça ne monte pas. Il faut qu'on soit 2000. C'est le king qui parle. Alors, le king des. Tu nous sors ton esprit de tribalisme que tu veux sortir. Le king des édicats en même. Waouh, baby power. Calme-toi, ma chérie. Le gars qui contrôle le tribalisme sur la toile camerounaise, c'est lui qui est devant toi. Alors, non, il veut pas que. Il veut pas qu'on lui la vedette. On va d'abord entrer pour voir si tu es crédible ou pas. Lolo, tu as fait depuis 7 ans que tu as ramassé plus de 50 000 euros. En disant aux gens que oh, tu as la web TV, même la page, tu n'as pas. Et que tu as seulement la page Facebook. Ta télévision n'est même pas sur YouTube. Sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. Tu n'as aucune page sur. X. Aucune. Ah bon? Dis-moi, tu as une web TV et tu n'as aucune page sur Twitter, Instagram, ton niveau c'est Facebook. Tu étais incapable de merger sur TikTok. Est-ce que la force de TikTok, c'est le cimetière de la plupart des blogueurs Facebook. Ben, c'est le c'est tweeter. Parce que TikTok, c'est chaud. Il faut être au contact. Actuellement, le métier sur TikTok, il y a 100 personnes sur TikTok. Et 1200. TikTok, c'est le cimetière des blogueurs de Facebook. Parce que pour émettre, merci Fabi, merci pour les. Oui, envoyez les étoiles. Attends, moi, j'aime pas TikTok. De ce côté-ci, envoyez. Oh, Céline, comment ça va, ma Céline? On t'appose, ma Céline. Comment ça va, applaudissement pour tous mes donateurs? Mini Mino a reçu un lion TikTok, hier. TikTok, c'est le cimetière des blogueurs de Facebook. TikTok. Sur TikTok, je fais la loi. Sur Facebook, je suis le king. C'est-à-dire qu'on parle des blogueurs actifs sur Facebook. Je ne parle pas des petits blogueurs à deux balles qui cotisent les réflexions des gens pour venir émettre. Prenez un blogueur camerounais non complet, je le déçois à 5 minutes. Et dit, quel qu'en soit le blogueur camerounais, le seul blogueur camerounais que je respecte, Bertol. C'est Jipon. Ah. C'est le seul. D'accord, continue. En matière d'art oratoire, Jipon c'est le terminus. Il n'y a pas son deux sur la toile. Et dit, Jipon là. Il mélange que ce soit journaliste ou pas. En matière d'art oratoire, il n'y a pas son gueule sur la toile. Je respecte Jipon Grépo pour ça. Les Boris Bertolo, les Humento, tous ces caïris, toutes ces quincailleries là, je les sens de côté. Parce qu'ils n'ont pas le charisme. Quand ils parlent, on sent que non. Ils ne ressemblent pas à ce qu'ils écrivent. Vous êtes un cahier? Je ne joue pas dans la cour de Nyama Nyama. Alors. Je traite directement avec le pouvoir. Ok. Donc là où on est à Lolo, à partir du moment où. Tu arrêtes, que ce soit la dernière fois que tu dises que tu as une web télévision, que ce soit la dernière fois. Ne viens plus pondre ça. Nous voudrons que sur la toile camerounaise arrivent des intellectuels, des chefs d'entreprise, des femmes de ménage, des agents de sécurité, des Africains qui entreprennent tous les jours, matin, midi, soir.
Mais avant que ces Africains arrivent sur les réseaux sociaux, nous avons le droit et l'obligation d'écarter tous les bordels, les vendeuses. Pourquoi vous écartez vous tous? Pour laisser la place avec les dieux. Parce que dans la terre africaine, nous avons besoin des psychologues, nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin des médecins, nous avons besoin de tous les corps de métier qu'on leur donne la place dans les réseaux sociaux à force de pouvoir exprimer le talent qu'ils ont. Mais au lieu de ça, on voit une bande de bordel qui s'accapare les réseaux sociaux dans la bande de piments extravagante, terriblement implantée. Nous allons vous écarter par force. By force, maman. D'accord. Je vous dis toujours, je suis amer qu'à mer. Nul n'a sa place assurée. C'est le CDD. Nul n'a sa place assurée, jamais. C'est le CDD pour tout le monde, alors. Tu vois comme je te dis direct, tout le monde le sait. CDD pour tout le monde. J'enregistre même mon père, quand il m'appelle, on ne sait jamais, dans un conseil de village, il peut faire comme. Si moi, mec, quand même, j'enregistre même quand mon père m'appelle, je lui mets son enregistrement. Il ne blague pas avec lui. Il ne blague pas avec lui. Je l'enregistre. On ne sait jamais. Ça veut dire que si dans ces 5 ans, quelqu'un m'a connu pour prêter son enregistrement, vous le savez. On sait, hein, avec de l'emblème. Donc, quand vous venez me dire. On sait tout ça. Oh, Jansan, je ne fais pas le Jansan. Voilà ma tête. Je ne fais pas le Jansan, mon petit. Tu fais quoi donc? Mon savon, c'est le savon de Macabo. Je ne gère pas vos histoires. Oh, Amen, quand même, tu as les boutons au visage. J'accepte. Mon savon, c'est le savon de Macabo. Appelé en France le savon de Marseille. Quand il est fini, lui que tu veux de. Ah, le savon Macabo n'est pas le savon de Marseille. Hein, moi, Amen, quand même, tu as les boutons. Je ne gère pas ça. J'ai dépassé le stade, j'ai 53 cm, ça règle tous les problèmes. On revient sur Lolo. L'imposture de la toile camerounaise. Oh, 53 cm. L'imposture. C'est ça que le primo arrivant veut aussi. On a un chef de télévision, même toi Lolo, tu as devenu... Apparemment, le primo arrivant veut les 53 cm aussi. Je regarde. Il faut d'abord avoir des amis, au moins qui savent s'exprimer. Quand je regarde ton entourage Lolo, il n'y a que des prostituées tout autour de toi. Il n'y a que des waka tout autour de toi. Tu as évolué comment? Tu as émergé comment? Comment? Moi, dans ce téléphone, la douleur. J'ai le numéro de Malène. Je sais que je peux appeler Malène. Dis que Malène, est-ce que tu peux me faire un petit truc en politique? J'ai le numéro de docteur. J'ai le numéro de la plupart des intellectuels camerounais dans mon téléphone. La plupart. Lolo, à part les bordels qui traînent autour de toi, tu as qui? Personne. Personne. Tu sors une histoire de tribalisme. Le capitaine du tribalisme sur la toile camerounaise, il en face de toi. Sa mère, Camille, il est en face de toi. C'est le capitaine. C'est mon fonds de commerce. J'ai mangé l'argent avec le tribalisme, tout le monde a compris. Mais en tout cas, tu as gâté ça toi-même chez Lolo Fodia, non? En disant que c'était pas vrai, que c'était. Voilà, donc. Qui crée le Bami Power? On sait directement que c'est faux, que tu joues. Tu veux dire aux gens que tu crées le Bami Power? Ah oui. Le Bami Power que tu as créé, Lolo, ça veut dire quel genre? De garder les autres tribus. Mm-hmm. Et de laisser entre vous. Non, entre Baganté, c'est pas entre. Toi et ton ami, il voit un salon de coiffure qui a été fait par sa femme là. Si c'est un gangkoum. Gano, c'est un gangkoum. Vous avez créé le Bami Power pour exclure tout le monde. La preuve, la question que je vous pose aujourd'hui, où en est votre Bami Power? Aspin. Ça n'existe plus. Parce que nous avons la chance d'être des Camerounais. Le Camerounais, c'est un et indivisible. Ah ouais? Un et indivisible. Ma spécialité, c'est les gnasses de Gabamileke. Les femmes bassas aiment trop l'argent. Les femmes bassas escroquent beaucoup. Mais elles savent bien. Je suis allergique à mon argent. Je préfère laisser les femmes bassas. Les femmes bassas donnent le tot. Elles savent bien faire les tourniquets à toutes les gars. Les femmes Bamileke. Elles savent bien faire les tourniquets. Les femmes bêtises aiment la borderie. Non, les femmes bassas, les femmes bêtises. C'est la crise cardiaque. Je ne peux pas aller voir chez les femmes Bamileke. Là, vous m'avez fait ma loi. Les femmes bêtises font beaucoup de jus. Oui, j'accepte le sucre tribaliste. Oui, j'accepte le sucre tribaliste. Ah non, on est tribaliste. C'est bizarre. Bonjour. Quand je vois comment ça se passe, moi, mais tout le monde sait qu'Amer Kamé ne sort pas avec les Gabassa à cause de l'escroquerie. Les Gabassa, en plus de quelle borde, elles escroquent comme n'est pas permis. Donc moi, avec mes petites miettes que j'ai là, il va encore me lever, il va aller derrière les Gabassa, ça sent qu'elle a escroqué mon ami l'autre jour. Non. Les filles bêtises, alors c'est la borderie. Regardez à Lyon, il y a que les filles bêtises qui bordent. Chacun dit. On connaît, il dit que si les gens ont peur de parler, moi, mec, quand même,
La spécialité de la mère quand même, c'est que quand il ouvre, il tape, cache, il passe. Bon, il ne faut pas généraliser, il faut donc, généraliser. Ça veut dire que pour parler de la mère quand même, forcément, il faut parler de Flore. Forcément, il faut parler de Flore. L'ancien, toi, je vois, va te dire quand même, quand il veut taper, il tape, ça, c'est qu'il s'en fout. Tu veux parler de ce qui s'est passé à Vivre à Gaïa, appelle-moi. J'ai les vidéos, j'ai les posts et tout. Tu veux parler, il faut m'appeler. Tu veux me dire comment la mère Bio m'appelle souvent. Et tu veux, comment la mère Bio m'appelle souvent aussi. Bébé. Comment la mère Bio m'appelle souvent comment Bébé. Alors, écrivez un peu le nom là. La reine Mère Bio a son nom qu'elle m'appelle souvent là. Boxo Pro Max. Non, Crocs. La reine Mère Bio m'appelle Boxo Pro Max. Crocs Pro Max. Horsonnet. Mettez mon Crocs Pro Max là. Qui a les bassins là? Non. Lolo, si tu veux savoir ce qui s'est passé à Brive, appelle-moi. Laisse le petit Congo ça à deux balles. Le temple du Congo, ça sur la toile, c'est Amer Kamé. Le créateur, le concepteur, c'est Amer Kamé. Je crée le buzz là où je veux, je le veux là où je veux. Je vous ai toujours dit, le maître du buzz, il est devant vous. Il n'y a pas mon deux sur la toile. Trois relations, trois expositions d'idées. Montre-moi une seule de mes relations qui n'a pas explosé dans les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Toutes les relations d'Amer Kamé, même Zandal qui a là-bas, c'est énorme. Wow. Amer Kamé sont avec nous. Il est content, il est tout seul. On commence par Docta, explosion générale. Bah, c'est Dieu. Après Docta. Ben, on peut continuer. L'autre arrive après. Explosion générale. L'autre, Renko est venu après. Explosion générale. Mais ah. Pourquoi c'est seulement jamais Kamel que quand ils sont. Donc, tu appelles toujours Renko. Les gens sont venus dire un truc, oh, Amer Kamel, toi, t'as donné la visibilité, vous êtes malade. Ben oui, hein. Bah, si, il t'a donné la visibilité. C'est moi qui donne la visibilité. Non, c'est faux. Il t'a donné la visibilité. Et c'est moi qui éteins Amout. L'histoire de Mandouba. Il y a deux personnes que j'ai éteintes sur la toile. Il y a Amout, il y a Missa. Les deux. Tant que j'ai la gueule, le pied sur leur tête, là, ils ne plongent pas. C'est ça qu'on appelle le king de la toile camerounaise. C'est ça qu'on appelle le king de la toile camerounaise. Bobo, je suis allé le faire une émission. Il va te prendre. Je suis allé le faire. Oh, le gosse, envoie le gars pour le gosse. Bon, je suis allé avec le gosse. C'est-à-dire que. Bon, restez là deux secondes. Pardon, ne bouge pas. Je dis. Quand sera d'accord avec moi. Les blogueurs de Facebook, leur cimetière, c'est TikTok. Parce que sur TikTok, il faut de la créativité. 80% de blogueurs de Facebook n'ont aucune créativité. Aucune créativité. D'accord. Voilà pourquoi je suis content d'être sur TikTok. Parce que là-bas, c'est votre cimetière. Vous n'avez aucune créativité. Vous n'avez aucune sociabilité. Vous êtes dans les smokeries. Sur TikTok, ça se voit comme ça. Tu es ce qu'on voit nous tous. Voilà. Chat juteuse. Je suis arrivé sur TikTok. Il y a les parrains. Ça fait longtemps, dit chat juteuse. Je suis arrivé sur TikTok. Attends. Le truc, il me fait quoi comme ça? Je le prends. Je suis arrivé sur TikTok. Il y a les parrains sur TikTok. Voilà pourquoi j'adore TikTok. Toutes mes journées, je suis sur TikTok. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants qui ont un instinct de créativité que vous n'avez même pas idée. Sur Facebook, à part insulter les gens, faire le Congo, ça fait une vous avez quoi là-bas? Rien. Les gens me reprochent quand même, tu es tout le temps sur TikTok. Je suis tout le temps sur TikTok parce qu'il y a une sociabilité créative qui est à l'intérieur que j'apprécie, que j'adore. Sur TikTok, tu parles quand on te met devant le pied du mur. La dernière fois, j'ai eu pour même mal. C'est parce que je n'avais pas le réseau là où j'étais. Même moi, c'est que je n'avais pas le réseau là où j'étais. C'est pour ça que le mal avait un chat. Mais. Donc, là j'ai le gosse qui est là. Il y a 1000, là on est 1000 personnes sur Facebook. On est 200 sur TikTok. C'est une manière de vous dire. Je profite de l'occasion que gosse est monté pour vous dire pourquoi. Nous qui avons l'esprit de créativité, nous sommes à l'aise sur TikTok. Parce qu'on voit des jeunes de 15, 17, 18, 20, 35 ans avoir une liberté de penser, une liberté d'esprit hors norme. Voilà pourquoi quand tu arrives sur TikTok, pour l'entrer en cause, moi, c'est parce qu'on me dit que quand même, je viens sur Facebook et je suis encore sur Facebook. Mais je préfère passer un match avec le cause sur Facebook, non? Que je vais perdre mon temps sur TikTok 3 heures. Imaginez-vous un peu. Parce que quand je discute avec lui, il y a quelque chose qui se crée. Il y a un lien qui se familiarise, qui se crée. Il y a quelque chose qui va augmenter. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir tous les que tout le top 10 camerounais, à part Amer Kamé. Allez sur Facebook. Cherche-les, ils sont où? Aux oubliettes!
Voilà, donc on va parler un peu, hein, parce que Ahmed Kamer apparemment a déclaré la guerre, hein, ou encore pas déclaré la guerre, hein, il a dit qu'il attend. Bon oui, il a déclaré la guerre, puisque il sort défendre sa compagne. Donc il dit toute personne qui s'attaque encore au Shiga, toute abeille ou mouche, ou quoi que ce soit, qui s'attaque encore à Oshiga, aura affaire à lui-même, à Ahmed Kamer. Et en passant, Rev Ndiaye a arboré sa casquette avec fierté, sa casquette d'abeille avec fierté, hier dans un direct, dans lequel elle répondait à Oshiga. Hein. Bon, bref, vous savez que Rev, oh mon Dieu, j'espère que je n'aurai pas... J'ai eu mal au moment de changer de pédale. C'est dangereux, ça. Donc, maintenant, vous savez qu'avant, Rev Ndiaye, on l'a découvert chez la veuve jaleuse. Et elle était chez la veuve jaleuse, mais on ne l'a pas reconnue. Rev avait porté une tenue, Massa. Et qui est la tenue, elle était vraiment un genre. Waouh, Rev Ndiaye et son look. En tout cas, on n'avait rien remarqué, hein, jusqu'à ce que monsieur, Jean-Louis-Saint dise, ah, en réalité, tu es très belle. Et oh, merci. 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 C'était. Waouh, rêve, ton loin là, tu as choisi. Allez, dis-moi, tu as choisi ça toute seule, ma chérie. Hmm? Tu as choisi ça toute seule. Bon, je dis pas que c'était pas beau, mais c'était, je sais pas, c'était un genre. Et on voyait Madame Messant regarder un peu, bon, je sais pas moi. Il y avait un regard aussi. Oui, c'était vraiment, c'était une belle rencontre en fait. Hein. Ça se sentait que c'était que les convives étaient contents d'être là. Mais ceci étant dit, si l'une de vous s'attaque encore à Oshiga, Ahmed dit que c'est sur Flore qu'il va s'attarder. Voilà. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, j'ai clignoté sans regarder. Une faute de la journée. La première faute de la journée, pardon. Donc, techniquement, Ahmed Kamer a besoin de s'accrocher à cette histoire, pour faire des contenus. Et aussi, Rev Ndiaye a enfin trouvé quelqu'un pour remplacer ou encore pour alterner le clash avec Compressor. Vous savez que Rev Ndiaye a dit que si quelqu'un tente Flore ou Compressor, elle va être toujours là pour défendre ces deux femmes bec et ongles. Et c'est comme ça qu'elle a exhibé sa casquette d'abeille avec fierté. Donc, c'est vrai qu'on ne comprend plus rien. Au moment, on parlait de Poutine. Mais j'ai jamais vraiment adhéré avec l'histoire de Poutine, de Russie. J'ai entendu que Poutine, c'est Lolo Fodja. Bon, Lolo Fodja est Poutine avant d'être Lolo Fodja elle-même. Avant d'être Lolo Mania, moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'elle comprend même les noms qu'elle se donne elle-même là? Mais tu es déjà Lolo Fodja. Mais Poutine, c'est encore qui? Mais bon. Quand on parle de Julie, on a Ahmed Kamer arrive, oui, pas blasé. Tu vas me parler, quand tu avais ton tribaliste à deux pas dans les réseaux sociaux. Non. En 2025, le tribalisme ne se séparera pas la Voile Camerounaise. Alors ça. Lolo, tu as compris avec quoi? En 2025, le tribaliste ne séparera pas la toile camerounaise comme en 2017. Nous serons divergents en fonction de nos opinions. Donc, vous croyez même à ces élections-là? Ma meilleure donatrice sur TikTok, c'est une fille américaine. Les gens qui m'insultent le plus sur TikTok, ce sont les bazars. Les gens qui m'insultent le cul de ma mère tous les jours sur TikTok, ce sont les bazars. Alors? Est-ce que les femmes, ils sont là, non? Est-ce que les femmes, ils sont là? Il vient de me laver, il part.
Ah oui, je roule aussi. Est-ce que c'est quoi une appel à haute? On parle de quoi? Regardez un peu. Donc là, il est venu nous raconter. Lolo vient avec son truc de son bami, pas à deux balles. Mais Lolo, tu es la souillure de Bamileke. Tu es tout ce que le Bamileke n'aime pas. J'étais au Cameroun. Là où je prenais la provanderie, c'est un fils Bouddha. La femme avec qui je faisais l'élevage, elle est Bouddha. Tu parles de quel tribalisme? C'est ce que tu veux mettre dans la diaspora. Mais c'est ce que tu veux mettre dans la diaspora. La diaspora, ma diaspora. Mais, nous on fait le tribalisme pour ramasser les vues. Parce que ça énerve les gens. Quand moi la panthère, quand je faisais la formation VTC, qui était la première personne à dire à mère, ta mère, je t'envoie un lien, tu parles là-bas, tu dis que tu viens de ma part. C'était Kamo la panthère. C'était Kamo la panthère. Il ne m'a pas blessé. Elle ne se fightait pas en 2017. Non. Ça veut dire que Lolo, ton tribalisme que tu es venu avec, on ne sait pas où ça va arriver, on ne sait pas où ça va passer, ça ne passera pas. La diaspora camerounaise, elle est une et indivisible. Allez demander à Kamon la panthère si avec Kamel tribalisme, parce que, par exemple, on devant, boum, on prend deux bières ce soir. Niat, donnez-moi un peu le nom d'une personne. Quand ça vous dépasse, nous sommes dans la toile pour faire évoluer, pour chercher l'argent. Quand le sabotage vous dépasse, vous entrez dans le tribalisme. Mais là-bas, ça n'est qu'à même casse. Ça n'est qu'à même casse. J'ai les clés du tribalisme au Cameroun. Quand vous venez, je vous dégage, tout le monde vous sait. Bon, et la question qui était posée chez Élise Battant tout à l'heure, ou encore hier, je ne sais pas quand, comparer Nicole Kedja à Lolo Fodja, est-ce que c'est normal? En termes de blogging, Lolo Fodja, le blog de Lolo Fodja dépasse le blog de Nicole Kedja. Mais voilà, donc si on peut comparer, bon, peut-être la comparaison a été faite dans ce sens-là. Ah ben, je vous profite. Chasse 75. Peut-être la comparaison était à ce point-là, mais on ne peut pas comparer une jeune fille, n'est-ce pas? Bon, Nicole Kedja a l'âge de ma nièce, elle ne peut pas avoir l'âge de ma petite sœur, normalement, elle peut avoir l'âge de ma nièce, normalement. Voilà, donc, la comparer à Lolo Fodja, c'est une mauvaise comparaison. Mais, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas que voulant en venir, mais ça me paraissait un peu bizarre. Élise Battant pense que Lolo Fodja n'a rien fait. Et puis, par moment, on a comparé Lolo Fodja à Élise Battant. Voilà. Donc, ça revient au même. Je veux dire, Élise Battant, apparemment, c'est une gamine. Je vois même son corps, là, c'est une gamine. Donc, en âge, bon, elle doit avoir peut-être l'âge au Shiga. Et parce que Élise Battant fait juste comme une maman. Ben, c'est une maman, certes, de 6 enfants, mais c'est clair qu'elle a que pondu. Elle a pondu, je ne veux pas dire qu'elle a défié la vache, mais vous savez que la vache, c'est 3 fois par an. Pourquoi 3 fois par an, chez la vache, pour le lait? Donc, c'est en faisant ça qu'on obtient du lait qu'on boit. C'est pourquoi je prends mon lait. Mon lait, plus mon café, c'est en poudre. Un lait frugal, économe, dont le lait frais, là, je ne bois pas ça parce que ça me traumatise. L'idée de savoir qu'une vache, elle doit faire une gestation forcée, n'est-ce pas? Dès que le veau vient au monde, on lui enlève son veau et on lui pompe son lait. Vous voyez? C'est écœurant, quoi. Allez, bon, pour ceux qui trouvent ça beau, mais moi non. Vous comprenez un peu le truc. Hein? Oui, parce que mettez-vous à la place de cette vache-là. Imaginez une vache qui fait une gestation, qui fait une portée en janvier. 3 mois après, bon, quand même, allez, quand elle arrive au bout de sa gestation, dès que le veau naît, bon, dès que la vache met bas, on lui enlève le veau qu'on vend, et puis la mère, on pompe son lait.
quand le lait finit, elle tombe encore. Elle, on lui force encore une portée. C'est-à-dire, on fait encore, on lui met encore une portée. Voilà, ça c'est pour ça que le lait, bon, j'aime pas. Le lait frais, en tout cas, j'aime pas. Donc, du coup, je ne bois pas de lait frais. Vous ne me verrez jamais mettre du lait frais dans mon café parce que j'en achète, mais pour le reste de ma famille, mais moi, personnellement, le lait. Mon lait, il est en poudre et c'est pas le Nido non plus. C'est un lait spécial. Voilà, donc. Revenons à ce qu'on disait tantôt. Hein. Donc, ne comparons pas l'incomparable. On ne peut pas comparer le Lofodia à Nicole Kretschmer, mais on peut comparer le blog. Oui, parce que sur la toile, tout ce qu'on retient, nous, c'est quand nous, sur la toile, c'est la page. Donc, on ne peut pas rentrer dans nos vies et faire la comparaison parce que personne ne connaît personne. Vous voyez un peu? Donc, la comparaison faite. La comparaison faite sur ce plateau, pour moi, à mon avis, n'avait pas lieu d'être. Vous voyez? Dorcas ramène le coquille de la mère de Nicole. Hein? La mère de Nicole attend toujours ses 8 boules de coquille. Maintenant, tu dis que tu ne peux pas parler avec elle. Tu la méprises. Que oh, c'est une gamine. Oui, c'est une gamine par rapport à toi. Ben oui. Et Nicole Kretschmer, par rapport à sa date d'arrivée en Europe et par rapport à ses réalisations, nous assure qu'elle a fait. C'est comme on a l'impression qu'elle est en Europe depuis au moins 20 ans. Oui, parce que c'est après au moins 20 ans d'Europe qu'on a ce stade-là. Hein? Parce qu'on sous-entend que tu as d'abord la galère de 8 ans sans papier ou 10 ans sans papier avant de rencontrer quelqu'un, enfin le bon, avec qui fait un enfant. Voilà. Et tout ça, le temps passe. Mais elle, d'entrée, elle a choqué. Et voilà, elle est tombée sur... elle a eu son jackpot, son homme avec qui elle a pondu sa fille. Ou encore, elle a mis sa fille au monde. Pardon pour l'expression pondu, hein. C'est pas gentil de ma part. Bon, et compression, peut-être on va peut-être même écouter le direct là, parce que on va partir de jamais quand même. Les gens, les followers sont en train de bouder parce qu'ils n'aiment pas qu'on décrit pas mal quand même. Sur Facebook, je me mets à comparer avec Élise Battan. Je peux prendre par exemple que je peux comparer. Comment faire un bouche? Il y a quand même, attends un peu, tu vas revenir un peu après parce que toi, tu veux nous embrouiller. Tu ne dis rien de bon. Tu me poses la question, je te réponds. Après, tu viens. Tu es en train de nous embrouiller, Dorcas. Tu es une vieille peau. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Même si c'est le langage de Nicole et Lolo, ça fait déjà un vacuum. Ah, voilà. Rwanda. Pourquoi on compare? On compare pas l'incomparable. Je savais que ce que Dorcas allait faire, c'est venir comparer Lolo à Nicole par rapport à quoi? On fait le bilan, tu viens de faire le bilan. Le bilan, c'est quoi? Nicole est venue en Europe à moins de 5 ans. Elle a fait sa fondation, déjà son enfant. C'est ce que nous tous, on a commencé à ici. Son bilan, c'est quoi? Voilà. C'est madame qui nous dit que les médecins. Quand on vient parler, nous sommes tous insultés ici. Mais après, tu me dis, même à 50%, elle a dit la vérité. Je ne veux pas dire 90%. Oh, elle ne mâche pas. C'est la vérité. Mais elle avait sa.
parce qu'on devait dire que moi-même, bah, ça ne me plaît pas, ça ne m'a pas plu. Bonjour, madame Moudiki. C'est pas pour ça qu'on va s'acharner, arrête, toujours en train de... Allô, madame Moudiki. De rentrer dans la boue, rentrer dans la boue. Les petits enfants, tiens, même Louise Gourlien, demain, va venir faire les lives, on va se me comparer à Louise Gourlien. On ne grandit pas, on ne change pas, on n'évolue pas. Ma faute, la paix, je n'ai pas le contenu. Voici mon, ça, c'est mon contenu. Ça ne te plaît pas, tu vas ailleurs. Là, je vais bosser et je te fais suivre ce que j'ai chance de suivre. Si tu n'es pas content, va ailleurs, ma faute. La paix, d'accord? Vous dites à Dorcas ce que je pensais. Parce que apparemment Dorcas fait la concurrence avec Nicole. Elle n'oublie que Nicole a l'âge de sa à la maison. Elle pense que Nicole est quoi? Elle est le caca, vous, c'est comment? Yoanda. Donc quand on compte même les gens qu'on construit au Cameroun, on compte aussi la maison de Dorcas, qu'elle ajoute les poteaux tous les jours. Là. Apparemment, on a construit sa maison, on a oublié les poteaux. Tous les jours, on ne fait qu'ajouter les poteaux, ajouter les poteaux. Donc moi, je voulais pas répondre à Dorcas. Elle ne doit pas négliger Nicole. Nicole vient d'arriver ici en Europe. Elle aussi, quand elle aura leur âge là. Quand je tousse, elle va avoir le âge là. Elle aussi, elle va dire ce qu'elle a fait. Si elle a d'abord commencé par la face, comme nous l'avons dit, elle a fait son enfance. Elle a déjà beaucoup. Pour 4 ans, elle a déjà beaucoup. D'ici 4 ans, encore, elle va faire encore autre chose. Quand laisse Nicole faire la suite. Lolo est devenue maintenant l'amie de Flo. Elle insulte maintenant au nom de Flo. Oui. J'aurais sorti ici Nicole à rentrer de Nicole en disant que n'insulte plus les gens à mon nom. C'est comme si c'est moi qui te pousse. Aujourd'hui, elle dit rien à Lolo. Lolo insulte tout le monde au nom de Flo. N'importe quoi. Peux-tu dire quelque chose? Bonsoir. Oui, Élise, bonsoir. Bonsoir. Oui. Là, qui insultait Lolo? Aucune de vous ne l'avoue. Surtout. Et toi, Elise Mbangala, tu n'en fous pas, ma star. Tu as compris, là, maman? Mais attends, mamie, tu m'as dit bonsoir. Attends, on reste poli, ma chérie, on reste poli. Parce que si tu es dans le groupe de Lolo et que tu t'exprimes comme ça, là, c'est que tu es maman, on reste poli. D'accord? Surtout si c'est plus. C'est en écoutant même ta voix, sans que tu ne sois pas poli. Tu viens parler. Attends, je te dégage d'abord. Ah, je te dégage, voilà. Je te dégage et je te bloque. Quand tu veux dire que je ne vaux pas le loup, choisis à qui tu dis que Élise ne vaut pas. Parce que je vais te dire que même Flore de Lé me respecte comme il ne faut pas. Ouais, en tout cas, on vous a vu ensemble. S'il y a bien une personne que je méprise, c'est Lolo. C'est Lolo. Mais Flore, je peux donner mon respect à Flore de Lé. D'accord? Ouais. Ne monte pas dans mon live, tu dis que je ne vaux pas Lolo. Lolo, c'est qui? C'est toi que moi. Élise, c'est parce que. Écoutez les comparaisons. Est-ce qu'on compare? Chacun est différent. Lolo n'est que dans les narines. On est tous différents. D'accord. Lolo n'est que dans les narines. Allez tromper Lolo, mais ne venez pas tromper nous autres qu'on a tout notre cerveau. Lolo, c'est qui? Quand j'entends souvent les gens dire que Lolo te dépasse, mais ça me donne des frissons. Parce que je me dis que la personne qui dit que Lolo me dépasse, elle est qui dans sa vie? Je suis quelque chose dans ma vie que, comme tu ne peux pas imaginer, je ne me vante pas, même Lolo même le sait. Elle dit qu'elle est une princesse. Même Lolo le sait. La dernière fois, elle a dit dans son direct que je suis montée sur la moto, la moto et tout. Et le bain, parce qu'elle a regardé la vidéo. C'est pas le AI d'Alisana. C'est TikTok. Lolo, elle-même, elle est consciente qu'elle ne me vaut pas. C'est ça qui est ça. Et ça ne me chauffe pas. Mais est-ce qu'on peut mettre pourquoi? Je ne me vante pas. Je suis moi, propriétaire. Oui, pourquoi faire des comparaisons? On est tous différents. Bon sang. Les saints doivent regarder. Il y a la différence aussi, hein. Les seins doigts de la main, on ne sont pas égaux. D'accord. Donc du coup, on peut pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce discours-là. Enfin, personne dans cette toile camerounaise que je peux encore dire que. Évidemment, c'est Flore.
je respecte. Oh, Atalaku. Mais de me demander de respecter Lolo, jamais de la vie. Personne ne fait. Parce que voilà Nicole Kétia, une yéyé qui dépasse Lolo. Non, on ne peut même pas dire ça. On ne compare pas Lolo Fodja et Nicole Kétia non plus. Largement Lolo. Tu parles de qui? Lolo. Là, il n'y a pas Lolo. Quand je parle quelque part, Lolo peut ouvrir sa sale grue. Lolo, c'est qui? Wow. Elle peut parler ou je parle quand je dis que oui. Général, pis. Tu m'as déjà entendu ici me vanter. Écoute comment Élise est citée. De ma mère. Élise je ne me vante pas les bienfaits des parents. Moi, j'ai décrit tout. Je me vante de ce que moi, Élise, moi si, j'ai produit. Mais t'as pas besoin, Élise Banga. L'héritage des pères. Élise est la centrafricaine. Surtout dans les mariages polygamiques. On sait que ce que t'as. Tu ne demandes pas à Lolo pourquoi elle n'a pas refait la maison de son père. Parce que c'est un héritage polygamique. Tu vas aller mettre la peinture là-bas, les autres vont dire que tu vas aller mettre la fenêtre là-bas, les autres vont dire que c'est un héritage polygamique. Ils ont fait quoi? On a vu, je peux encore aller chercher des images. Mais Ducamer a dit que Lolo est en train de construire sa maison. Ouais, Ducamer, toi là, quand tu supportes quelqu'un, Ducamer, toi aussi tu es un cas, mon frère. Mais je t'ai vu hier décrypter le direct de Amer Kamer en l'insultant. Mais je ne crois que c'est pas la bonne solution. Tu peux décrypter sans l'insulter, Ducamer. Ducamer chou. Bon, fais comme tu veux. Parce que quand je dis ça, ça peut créer un problème aussi. Parce qu'on va dire de quoi je te mêle. Et tu peux décrypter sans insulter. Oui, parce que le temps, bientôt tu vas commencer encore à soulever Oshiga. On a entendu que la reine Mebio, la veuve joyeuse, aurait passé un coup de fil à Oshiga à 2h du matin. Hey. Ah oui, c'est à l'issue de ça qu'elle est sortie faire un direct. Parce que Oshiga n'a pas décroché. Ah, je comprends maintenant pourquoi à 6h30 elle était en direct. Elle faisait un direct sur Oshiga. Donc ce qu'elle voulait dire à Oshiga au téléphone. Mais est-ce que vous gênez pas hein? Donc la veuve a vraiment pensé que. Mais c'est vrai que la veuve, elle est dans son games de Facebook. La veuve peut aboyer et du jour au lendemain, vous faites la paix. Elle est comme ça. Mais elle devait comprendre que Oshiga n'est pas comme ça. Oui, parce que Oshiga et elle, les liens sont rompus dès lors. Voilà, donc la veuve voulait. Oh là là, le dos. Maintenant, il faut sortir de la voiture. Ça va être un parcours de combattant. Apparemment, la veuve voudrait les grâces de Oshiga. C'est-à-dire être du côté de Oshiga, quoi. Mais. Ce qui semblait être comme une main tendue est devenu un fiasco. Parce que supposons que Oshiga ait décroché la paix de la veuve. Bon, ça devait s'en suivre une conversation ou encore une discussion. On n'est pas en point, on n'est pas terminé. Et au final, on devait seulement entendre Oshiga en train de dire des choses sur la veuve. Mais sauf qu'Oshiga n'est pas comme ça. Allez. C'est clair que, bon, la veuve, elle n'a rien à faire avec. Du moins. Bon, parce que, bon, quand elle dépose quelqu'un, elle l'a déposé. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Mais la veuve ne pensait pas quand même que Oshiga devait décrocher son appel. Malgré tout ce qui a été dit. Et c'était quand même un clash sévère, hein, mine de rien. C'était un clash dur. C'était un clash fort. Et tous les coups. Mais la veuve, par moment, a fait une mini dépression, hein, je crois, lors de ces clashs-là. Parce qu'elle était malade. Et au début, elle ne savait pas qu'Oshiga. Elle avait un peu sous-estimé Oshiga. Voilà. Mais avant de se réveiller, Oshiga a donné déjà les coups secs. En tout cas, elle avait pensé que c'est mieux d'être son ami que d'être son ennemi. Oui, bah oui. Elle préférait ça être l'amie de Oshiga. Mais maintenant, elle a dit ma fille. Waouh, Facebook. Ma fille, ma fille.
à ma fille. Ah là là. Mais bon, Oshiga t'a répondu quand même, hein. Donc vous voyez qu'elle donne toujours le lait. Elle donne pour tout le monde. Ça veut dire que elle n'ignore pas. Donc si chacun veut goûter à son buzz, bon, je parle des vieilles peaux évidemment, hein. Qui ont l'habitude de l'attaquer, il suffit de parler. Bon, et apparemment, j'aurais appris que Lolo Fodia sur Facebook, sur TikTok est en train de faire son blog sur TikTok avec le nom d'Oshiga. Un peu comme on fait sur Facebook avec le nom de Fleur de Lille. Ou encore, un peu comme Nicole Ketcha a fait sur Facebook avec le nom de Lolo Fodia elle-même. Vous voyez comment la route tourne? La route tourne vraiment. Hein. Bonjour, Carole Cohen. Oui, Amel Kamer est déjà venu au secours. Oshiga, bon, Amel Kamer a donné des ultimatums à beaucoup d'abeilles. Donc, si une abeille insulte encore la musique d'Oshiga, en ce moment, Amel Kamer sortira sur Fleur de Lille. Il a dit. Bon, c'est ça. Voilà ce qu'on a entendu. Eh, Seigneur, je vais travailler malade. Oui. La Lorraine, la nouvelle loi des Belges. Je vais être dans le lit, en train de reposer, en train de dormir, parce que je ne peux même pas sortir de ma voiture. Oui, mais il faut faire l'effort de sortir de la voiture quand même. Mini a insulté hier qu'il sort, donc on va. Ben, Mini Mignon, est-ce que Mini Mignon a encore le temps? Il est pris par ses études. Et puis, c'est aussi pour intimider. Mais il dit qu'il va bloquer la page des gens. Hein. Donc, vous la faites gaffe. Si vous voulez pas qu'il bloque vos pages. D'ailleurs, il dit qu'il va bloquer la page des gens lui messant. Ah là là. Il dit qu'il va bloquer la page des gens lui messant. Juste comme ça pour faire. Juste comme ça pour. Pour nous démontrer qu'il est capable, quoi. Voilà. Et puis, maman, je n'ai moi rien fait, oh. Faut pas bloquer ma page, oh. Parce que. Il dit que si on parle mal d'Oshiga. Bon, Amel Kamer, donc, bon, et du Kamer, j'espère que du Kamer va pas voir sa page bloquée hein, ou supprimée. Mais bon, peut-être il a dit ça comme ça. Vous savez que le clash, quand on clash, on dit tout. Hein. Peut-être c'est le clash, ou peut-être pas. Hmm? Piment rouge. Ouais, bah c'est toujours comme ça qu'Amel fait. Dès que sa page décolle, il commence des problèmes. Bon, quand les abeilles vont l'assommer, il va revenir pleurer et dire, vous savez que la reine Mec est très généreuse. Vous savez que la reine Mec. Mais oui. Donc, attends, mais autant mieux garder ta page comme ça. Ta page, l'état de ta page, si on doit prendre le pouls de ta page se porte bien. Maintenant, tu veux. Voilà que Flo a lancé le catch-up sur toi. Voilà. Donc, si tu gagnes de l'argent avec ta page, bichonne ta page. D'autant plus que tu sais comment ça fonctionne. C'est que tu. Bonjour, piment rouge. Ah, chouchou, flatteuse. Oui, j'accepte. Oui, je suis ton chouchou. Toi aussi, t'es mon chouchou. Ou ma chouchou. Je sais pas, piment rouge. Ouais, il a mal parce que Flo l'ignore, oui. C'est aussi ça. Ah, oh là là. Wow. Voilà mon volant qui me sert de béquille. Mais bon, ça va aller les quotas. Les amis. Alors. Hop, j'ai l'eau. Ouais, Flo l'ignore et ça l'énerve, c'est vrai. Mais Flo l'ignore depuis un moment, depuis qu'il a appelé Choucrette.
depuis que Flore l'a appelé choucrette, Flore a commencé à l'ignorer dès lors, puisque Flore a enlevé le mot choucré. Donc, c'est pas sucré. Apparemment, choucré, là, c'est le... Bon, tout porte à croire que choucré, c'est peut-être ce qu'elle a ressenti hein, le jour que ça s'est passé. Parce que choucré veut dire sucré. Voilà. Et qu'est-ce qui sucre? 53 cm. Bon, si on raisonne. Bon, je vais pas d'écharpe. Je vais prendre l'écharpe qui est de ce côté-là. Il faut que je protège mon cou. Oh là là, c'est quoi ça? C'était ouvert. Bon, le travail que je vais là, tant que le dos se remette. Parce que mes collègues me voient marcher comme ça. Donc il faut se redresser. Bon allez, je vais vous laisser parce que c'est éprouvant de marcher et parler en même temps. J'ai hyper mal. Donc, je vais vous laisser. À tout à l'heure. Oui, merci.